Bienvenue à cette présentation de Micro Python et Pyboard, webinaire organisé par les éditions INI. Je suis Dominique Muris, auteur aux éditions INI et travaillant entre autres chez MC Hobby. Je suis un grand amateur de Micro Python et nous allons pouvoir découvrir ce webinaire d'introduction. Alors, au sommaire, nous allons découvrir la carte MicroPython Pyboard ainsi que MicroPython. Nous allons pouvoir la comparer avec Arduino, qui est quand même une plateforme très répandue. Nous allons voir aussi comment nous pouvons communiquer avec une carte MicroPython. On va faire un rapide passage sur le brochage de la carte MicroPython Pyboard, voir quelques montages de base comme le montage à LED, la détection de la pression d'un bouton en entrée, l'afficheur LED qui est un écran I2C, et après je vais vous présenter quelques ressources très utiles. Commençons par découvrir MicroPython. Eh bien, MicroPython, c'est une implémentation de Python 3 pour des systèmes à ressources limitées, comme c'est le cas pour de très vieux ordinateurs, mais surtout les microcontrôleurs. Si les microcontrôleurs ont vraiment beaucoup plus grande puissance aujourd'hui, ce n'a pas été le cas par le passé, mais cette avancée dans la puissance permet aujourd'hui d'avoir des systèmes Python complets fonctionnant directement sur un microcontrôleur en barre métal. Alors, correspondant à la philosophie de Python, on retrouve également des bibliothèques disponibles dans MicroPython, donc c'est-à-dire que tout le traitement des chaînes de caractères, les traitements mathématiques, le traitement des dates, un calendrier de base sont disponibles. Évidemment, comme les ressources sont limitées, nous n'allons pas retrouver des fonctionnalités avancées comme la gestion des annuaires LDAP ou les calendriers juliens ou des choses comme ça. Mais vous allez voir que nous pouvons aller déjà beaucoup plus loin qu'avec une plateforme Arduino. Alors, il est intéressant de savoir que MicroPython a été développé en C normalisé, C99, ce qui lui permet d'être compilé sur beaucoup de plateformes microcontrôleurs. Aujourd'hui, il y a environ une cinquantaine de portages MicroPython et même des dérivés de MicroPython. Damien Georges, qui a développé MicroPython, a toujours voulu pouvoir créer un système optimisé. Donc, c'est-à-dire qu'il a vraiment travaillé sur le codage pour éviter tout code supplémentaire, toute allocation de mémoire non utile. Et de fait, MicroPython peut fonctionner dans un espace de 256K de flash. Donc, la flash, c'est ce qui sert à stocker le programme utilisateur, qui dans ce cas est MicroPython. Et 16K de RAM. 16K de RAM est vraiment le minimum. Mais nous verrons que ce n'est pas un problème sur les plateformes actuelles. MicroPython présente aussi beaucoup d'intérêt pour les électroniciens puisque nous avons maintenant l'opportunité de pouvoir commander du matériel directement. Alors, MicroPython est aussi connu pour son aspect éducatif où la courbe d'apprentissage est presque verticale, c'est-à-dire que vous entamez la lecture d'un livre sur Python et on dérange, je dirais, le quart d'heure, 20 minutes en n'ayant aucune connaissance, vous commencez vos premiers programmes. L'éducation a bien compris l'intérêt de Python. Python existe depuis plus de 10 ans et est un langage quand même très très populaire, à ce point qu'il est utilisé bah, par exemple chez Google et Amazon. On retrouve aussi Python dans des environnements dans lesquels on ne l'attendait pas, donc entre autres l'embarqué, le web, où il fait quand même des émules. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un langage à apprentissage rapide avec une énorme bibliothèque. Donc, si vous vous retrouvez sur PC, vous avez quand même un langage très évolutif avec des choses très intéressantes à faire. Et si vous l'adaptez sur des plateformes comme des microcontrôleurs, tout ce que vous avez appris sur PC, vous pouvez le réemployer tel quel sur votre microcontrôleur, puisqu'il s'agit d'une réimplémentation Python 3. Vous avez tous les avantages qui vont avec. Alors, voici la présentation de la carte Pyboard et je me suis permis de vous mettre en bas la correspondance d'une carte Pyboard normale avec, par rapport à celle d'un Arduino à l'échelle. Et vous trouverez également la prochaine génération de cartes Pyboardées réservées quand même, je dirais, à des personnes qui ont un minimum d'expérience. L'intérêt de la Pyboardée, par exemple, est d'avoir une interface Wi-Fi incluse. Donc, comme nous pouvons le voir, nous retrouvons différents périphériques, entre autres des broches d'entrée-sortie tout autour, le microcontrôleur, un lecteur de carte SD et alors un connecteur micro USB.
Si l'on compare les caractéristiques de la carte Fibor à celle d'un Arduino, nous voyons tout de suite que nous avons beaucoup plus de GPIO, pas loin de 2,5 fois plus. Nous avons pas 5 entrées analogiques, mais 16. Nous avons deux sorties analogiques, deux vraies sorties, donc c'est-à-dire qu'on peut avoir une tension arbitraire entre 0 et 3,3 V, ce qui permet par exemple de produire une petite interface audio, en produire des sons, des voix qu'on a préenregistrées. Les sorties POM ne sont pas en reste. Chez Arduino, on sait qu'elles sont au nombre de 6, c'est déjà pas mal, mais pour commander des servos, il n'y en a que deux vraiment exploitables. Sur la carte Piborne, on a 20 sorties POM, dont 4 pouvant entre autres servir à la commande de servomoteur. Côté RAM, ça, nos amis du monde Arduino savent que 2K, c'est très peu. On arrive très vite à saturer cette RAM. Ou sur une plateforme Piborne, on se retrouve avec 99K disponible au script utilisateur. Il faut savoir que MicroPython a besoin d'une certaine quantité de RAM, je veux dire pas très loin de 100K, pour son propre fonctionnement interne, le parsing des scripts. Ce qui fait que sur les presque 200K de la plateforme Piborne, il en reste 9 disponibles. Mais avec ça, on peut déjà faire beaucoup. Alors, la plateforme Arduino dispose aussi de 32 de flash, cette flash qui sert à stocker le programme compilé. Disons que on arrive rarement à bout, sauf si on emploie beaucoup de bibliothèques. Cette même mémoire flash est de 1 mégaoctet pour une Pboard, divisée en deux entre le microcontrôleur et le firmware MicroPython, et d'autre part un petit système de fichiers sur lequel on peut stocker des scripts. Et alors, les grands avantages de la carte MicroPython Pboard par rapport à Arduino, c'est qu'il dispose d'une carte micro SD permettant de rajouter un système de fichiers complémentaires jusqu'à 4 Go sans aucun problème. Je dirais que nous utilisons des cartes de 16 Go sur une MicroPython Pboard sans aucun souci. Ce système de fichiers, qu'il soit en flash, donc c'est-à-dire dans le microcontrôleur ou sur la carte SD, sont accessibles via le connecteur USB. Donc dès que vous branchez la carte Pboard sur votre ordinateur, elle est vue comme un mini disque dur, un disque flash, ce qui est absolument inédit dans le développement des microcontrôleurs. Pboard offre également quelque chose qui manque cruellement à Arduino, c'est une interface en ligne de commande pour interagir avec le compilateur. Finalement, chose que Arduino n'a pas et qui serait utile à bien des points, c'est une vraie horloge RTC. Donc, quand votre carte Pboard est hors tension, le temps continue à s'égrener dans cette horloge, ce qui est quand même très pratique parce que dès la remise en tension, on sait quel jour et quelle heure nous sommes. Les prix sont, je dirais, abordables pour la différence de puissance. Alors, attardons-nous un petit peu sur l'architecture des deux plateformes, puisqu'on nous avons dit que Arduino était quand même très connu. Nous allons nous attarder un petit peu sur le modèle de développement d'Arduino. Donc, avec Arduino, il est impératif d'avoir un PC. Et sur ce PC, nous retrouvons entre autres un environnement de développement, qui est un compilateur C, comme Arduino IDE, dans lequel on développe le code et une fois compilé, nous obtenons un binaire. Ce binaire est injecté avec l'aide d'un bootloader fonctionnant sur le microcontrôleur et contient toutes les instructions qui peuvent être exécutées directement, dirons-nous, en barre métal sur le microcontrôleur. C'est-à-dire que si votre programme ne fonctionne pas, généralement, il y a très peu de façons de savoir ce qui s'est passé. Tout ce qu'on sait, c'est que ça a planté parce que les choses ne vont plus. Maintenant, en comparaison, si on prend le fonctionnement de MicroPython, en fait, l'ordinateur est réduit à sa plus simple expression, puisque ce dernier servira à éditer le code. Et comme vous voyez, au niveau du microcontrôleur, j'ai créé une division assez nette où on retrouve le firmware MicroPython d'une part, et une partie de la mémoire flash du microcontrôleur qui est utilisée pour exposer un système de fichiers. Et c'est un vrai système de fichiers. Donc, quand vous branchez votre carte MicroPython sur votre ordinateur, vous avez accès à ces différents fichiers et vous pouvez les éditer directement par l'interface USB, comme on le ferait avec une simple clé flash. D'autre part, le firmware MicroPython
a également accès à ces différents fichiers, et quand la carte est éjectée, il récupère le fichier boot.py, main.py, qui sont censés être les programmes utilisateurs, et effectue une compilation bytecode. Il faut savoir que le firmware MicroPython est une véritable machine virtuelle. Donc, il récupère les fichiers, compile le bytecode et exécute le bytecode, comme ça se fait sur votre PC. C'est pour ça qu'il y a une telle portabilité du code Python entre un ordinateur et les cartes microcontrôleurs. Bon, cette approche a quand même un désavantage, c'est que comme il faut compiler les fichiers script un moment bytecode, il y a une consommation de mémoire RAM non négligeable. Donc, il serait impossible de faire fonctionner un système MicroPython sur une carte Arduino n'ayant que 2K. C'est pour ça que Damien Georges a sélectionné la plateforme de base qui est un STM32. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait également moyen d'interagir avec la plateforme. Donc, vous retrouvez ici en arrière-plan le schéma de la page précédente auquel j'ai rajouté une deuxième petite section un peu en jaune. Et nous voyons en haut que nous avons un terminal et ce terminal est branché sur ce qu'on appelle un port série virtuel. Donc, quand on branche des périphériques USB, il y a moyen d'exposer un port série. Et si on branche un terminal dessus, on peut s'adresser directement au firmware MicroPython fonctionnant sur la plateforme Pboard. Donc, on se retrouve entre autres avec un interpréteur Python comme on l'a sur PC, sauf que celui-ci fonctionne directement au niveau du microcontrôleur. Et l'intérêt de cette approche est de pouvoir interagir avec une ligne de commande que l'on voit ici et de pouvoir importer par exemple un module à la volée. Alors je vais passer de l'autre côté de l'écran, si vous voyez test chargeur LED. De l'autre côté de l'écran, nous avons notre petit système de fichiers et test chargeur LED se trouve ici. Donc avec un éditeur de texte, je peux modifier du code, le stocker sur la carte et à l'aide d'un terminal de l'autre côté le charger directement. Et nous pouvons voir qu'il y a également toute la pile d'erreurs. La raison est simple, c'est que la carte d'interface n'est pas branchée, d'où le timeout. Oups. Donc, comme vous pouvez le voir, on se retrouve avec un système puissant, puisque on est capable d'effectuer des développements directement sur la carte. Si le code en question était mis dans main.py, il serait exécuté au démarrage de la carte. Mais là, nous sommes dans un cas de développement. Alors, cette ligne de communication s'appelle REPL, qui provient de Read, Evaluate, Print, Loop. Et comme ce terme anglais l'indique, en fait, il fait une lecture sur le port série, évalue la commande, affiche le résultat et le loop recommence au début. Et il s'agit là d'un outil totalement inédit dont il devient très vite impossible de se passer. Le deuxième exemple ci-dessous permet d'importer à la volée un deuxième fichier de test qui est test analog 10 bits, donc ici, qui est également dans le système du fichier, et nous pouvons voir que le programme fonctionne normalement. Il y a également une erreur, mais cette erreur a été provoquée par l'utilisateur. C'est-à-dire que quand votre script fonctionne, à tout moment, il peut être interrompu en pressant la touche CTRL-C, ce qui permet entre autres d'évaluer les variables créées, d'aller voir ce qui se passe dedans. Tout ce que le programme affiche avec une instruction print, bien, est visible dans la session REPL. Donc, quand vous faites un programme qui manipule du matériel, vous pouvez régulièrement afficher les états des variables et, en vous connectant simplement avec un terminal, voir ces différents états. Alors, après cette rapide présentation, on peut déjà voir qu'il y a quelques avantages aux cartes MicroPython. Des avantages clés par rapport au système Arduino, c'est que MicroPython expose un système de fichiers via USB, ce qui fait qu'on édite des fichiers et non plus de code dans un compilateur. Que il est tout à fait possible d'écrire ces programmes dans des simples fichiers texte, qui sont des scripts Python, comme on le fait dans n'importe quel environnement Python. Que la ligne de commande interactive permet d'espionner le fonctionnement de vos programmes, voire de tester des programmes à la demande, ou éventuellement pouvoir interagir avec eux. Qu'il est possible de se connecter via la console et de pouvoir
arrêter un programme en cours d'exécution et le contrôle D, redémarrer la machine virtuelle MicroPython. Et finalement, toujours bon à savoir, il existe un mode RAW RPL qui permet à des outils fonctionnant sur PC de communiquer de façon optimisée avec MicroPython. Mais cela, nous y viendrons un tout petit peu plus tard. Alors, bien que MicroPython n'utilise que des fichiers texte, nous allons voir qu'on peut rapidement mettre en place des outils de développement qui ne coûtent pas un copec et qu'ils sont pour autant tout aussi performants. Donc, si nous résumons un peu ce que nous avons vu juste avant, il nous faut un éditeur de texte pour pouvoir éditer du code. Et là, il s'agit d'un simple éditeur de texte qui fonctionne sur une machine Linux qui est Pluma. Nous avons besoin d'un navigateur de fichiers disponible dans tous les systèmes d'exploitation et d'un logiciel terminal pour pouvoir accéder à la session RPL que nous voyons ici en dessous. Je vous ai mis comme référence Pouty, qui est un logiciel libre, facilement accessible. Et ces deux derniers points peuvent être exploités à l'aide d'un outil en ligne de commande qui s'appelle AirShell, qui est un terminal et qui permet de faire des copies de fichiers, de pouvoir entamer des sessions RPL, de pouvoir explorer le contenu de fichiers sur votre carte MicroPython Pboard sans avoir d'environnement graphique. Donc, c'est-à-dire, c'est un simple terminal. Nombre de personnes sont très n'apprécient pas ce type d'interface, mais elles sont surtout très très productives. Il y a un outil qui s'appelle AirShell, qui est développé, je vous le laisse deviner, en Python, et qui justement utilise le RAW RPL pour pouvoir directement communiquer avec la carte MicroPython. C'est vraiment très efficace. MCOB a écrit a traduit le tutoriel en français pour rendre cette information très accessible. Alors, moi je vous présente l'environnement de développement que j'emploie au jour le jour, parce que justement, chez MCOB, bon, on développe pas mal de projets autour de MicroPython et pas mal de pilotes pour du matériel. Donc, moi j'utilise un Atom IDE, qui est un éditeur de code écrit en Python et qui est libre. Il paraît que Visual Studio Code fait aussi des merveilles. Ce dernier me permet d'éditer mon code et le bas de l'écran est généralement réservé à une session Web AirShell, dont vous voyez que il y a entre autres ici une session RPL en cours pour tester du code. Donc voilà. Alors maintenant nous allons nous attarder un petit peu sur ce qu'on appelle l'API machine et les quelques exemples, puisque l'intérêt de MicroPython sur microcontrôleur, c'est de pouvoir faire de l'électronique avec. Donc, vous connaissez tous le principe de Python avec les différents modules et les bibliothèques. Et Damien Georges a rajouté une bibliothèque en plus qui s'appelle Machine. Et cette dernière permettra d'accéder au matériel de la carte Pboard et de toutes les autres cartes supportant MicroPython. Donc, la bibliothèque Machine expose des classes de type PIN, I2C et les autres bus qui sont du SPI. Donc, j'ai mis en lumière sur ce schéma, schéma que vous trouverez très facilement sur Internet. Les broches de la carte MicroPython Pboard avec leur nom. Alors, des symboles caractérisant entre autres les fonctionnalités des broches. Donc là, on retrouve, comme indiqué par la flèche ici, des broches en PWM, en entrée analogique, et là, nous avons des sorties analogiques. Nous pouvons voir aussi qu'il y a différents types de bus, comme ici des UART, des ports série qu'on utilise avec des modems GSM ou avec par exemple avec les modules GPS. Excusez-moi. Il y a également des bus SPI qui sont plutôt réservés aux périphériques nécessitant de grands débits, comme des écrans ou des captures de données à haut débit. Et alors un petit bus ici sur lequel j'attire votre attention, qui est le bus I2C2. Il y a deux bus I2C, mais ce bus I2C2, nous l'emploierons plus tard, et c'est un bus de données à deux fils, donc avec un signal de données SDA et un signal d'horloge. Celui-ci est sur les broches Y9 et Y10. Nous aurons l'opportunité de l'utiliser. Les amateurs de robotique seront très heureux de retrouver quatre sorties servomoteurs pour pouvoir commander leur petit robot. Donc cela résume assez bien
le matériel à disposition, les broches ici en bas sont des broches analogiques et ces ressources sont plutôt en ligne, sortent un petit peu hors du contexte de ce webinaire. Donc, nous allons commencer par nous intéresser à une broche en sortie, ce qui permet de commander du matériel. Ici, nous avons décidé de commander une LED. Donc, la LED est principalement une diode qui s'illumine quand le courant passe à travers. Et comme toutes les diodes, elle laisse passer un maximum de courant, donc il faut absolument une résistance pour limiter le courant qui passe dans la diode. Sinon, la diode fera son travail, laissera passer tout le courant, elle illuminera très rapidement, très fort, mais pas longtemps, et aura l'occasion d'avoir un courant qui fera fondre la jonction de la porte de la sortie et qui inévitablement tuera votre microcontrôleur dans la foulée. Donc, on met une résistance pour limiter ce fameux courant. Alors, deuxième petite astuce, vous voyez qu'il y a un plus et un moins, le moins raccordé à la masse et le plus raccordé à la broche. Alors, la petite astuce mnémotechnique consiste à avoir la broche la plus longue sur le plus et la broche la moins longue sur le moins. Ça marche avec tous les composants, la broche la plus longue et le plus du composant polarisé. Donc, nous revenons à notre code Python. MicroPython, et vous voyez que depuis le module machine, nous importons la classe pin pour les broches. Et à partir de cette classe pin, nous créons une instance pour la broche Y12, donc celle qui nous intéresse, en spécifiant très clairement qu'il s'agit d'une broche commandée en sortie. Ensuite, nous pouvons appeler sur cette instance la méthode value pour allumer ou éteindre une LED. Donc en passant le niveau 1, donc qui est l'équivalent du niveau haut, la broche Y12 sera plus 3,3 volts, le courant va circuler, la LED va s'allumer. En replaçant la broche au niveau 0 ou niveau bas, la broche sera à 0 volts, donc il n'y aura plus aucun courant circulant dans le circuit et la LED va s'éteindre. À noter qu'il est possible de réinterroger l'état de la broche en appelant la méthode value sans paramètre, et là on voit bien qu'elle est au niveau haut. Faire clignoter une LED devient alors très simple. On importe depuis la bibliothèque de gestion de temps l'instruction sleep qui nous permettrait de créer des boucles. Donc vous voyez que dans la session RPL, nous encodons une boucle infinie. Donc vrai, on lit l'état de la broche. Ensuite, on fait notre état pour inverser son état et on le réinjecte dans la broche. Ensuite, on attend une seconde. Et donc, dès que on quitte l'exécution de cette section de code, eh bien REPL va commencer à faire clignoter la LED toutes les secondes. Et pour cesser cette exécution, il suffira de presser sur CTRL-C. Donc on peut voir que l'on peut faire directement de l'expérimentation au niveau de la carte microcontrôleur sans avoir toute la batterie de codage, compilation, téléversement sur la carte. En fait, on peut directement se connecter en REPL sur la carte à l'aide d'un terminal et commencer à expérimenter le monde matériel avec du langage Python. Maintenant, nous allons nous intéresser un petit peu aux broches en entrée à l'aide du bouton poussoir. Alors, avant d'aborder le code Python, je vais vous expliquer un petit peu comment cela fonctionne parce que c'est un schéma assez complet. Le bouton poussoir se comporte comme un contact fermé ou un contact ouvert. Donc, admettons qu'on ne presse pas sur le bouton poussoir. Donc le contact est ouvert et cette partie-ci est, disons, inexistante. Dans ce cas, la broche Y9 est raccordée sur le 3,3 volts par l'intermédiaire d'une résistance de 10K 470 ohms, ce qui signifie que l'entrée Y9 est à 3,3 volts au niveau haut. Cette résistance de 10K est appelée résistance de tirage ou pull-up. Deuxième cas de figure, admettons maintenant que quelqu'un presse sur le bouton poussoir et donc ces deux points sont en contact. Et dans ce cas-là, la broche Y9 est raccordée presque directement à la masse, sachant que la résistance ici est très faible. Et donc, le potentiel de la broche Y9 est fixé à 0 volts ou presque au niveau bas. Ce qui est intéressant, c'est que grâce à la résistance de 10K, avec ce contact fermé, nous n'avons pas de court-circuit franc entre le plus 3,3 volts et le 0 volts. Il s'agit d'un montage typique
de résistance pull-up. Alors, maintenant pour pouvoir lire l'entrée, on utilise toujours la classe pin du module machine, mais cette fois-ci, en déclarant la broche Y9, nous allons indiquer qu'il s'agit d'une broche en entrée avec in. Et pour connaître l'état de la broche, il suffit d'interroger la méthode value. Donc, print p.value égale 1 signifie que nous sommes au niveau haut et donc que le bouton n'est pas pressé. Si l'on presse le bouton, la broche Y9 sera à la masse et donc p.value vaudra 0. Nous sommes quand même en logique inversée, c'est-à-dire que si on presse le bouton, on a 0 et si on relâche le bouton, on a 1. Alors, nous allons revenir juste quelques secondes sur cette petite résistance qui est plutôt destinée aux néophytes et aux ceux débutants en électronique et en programmation. En fait, il s'agit d'une résistance de protection. La plupart des professionnels ne l'emploient pas. Admettons que, en plein milieu d'expérience, pour une raison quelconque, vous modifiez la broche Y9 pour la remettre en sortie et la mettre au niveau haut, en gardant le même montage électronique. Si quelqu'un presse sur le bouton et que la broche est au niveau haut, sans cette résistance de protection, un courant, on va dire infini, passerait de Y9 à la masse. Inutile de dire que la broche va fondre, sa jonction va fondre, le microcontrôleur mourra. Donc le but est d'éviter les courts-circuits francs en cas de mauvaise configuration. Maintenant, une fois qu'on a l'habitude, cette résistance n'est plus nécessaire, on fait des doubles vérifications. Le schéma que je vous ai présenté juste avant utilisait une pull-up externe. Il faut savoir que la plupart des microcontrôleurs ont l'opportunité d'activer une pull-up en interne. Et cela se fait à l'aide d'un troisième paramètre sur l'instruction pin avec pin pull-up. Donc, c'est-à-dire que dès que la broche est configurée, son potentiel est ramené automatiquement par 3,3 volts à l'aide d'une résistance de tirage ou dite pull-up interne. Et il ne sera plus nécessaire que de brancher qu'un bouton vers la masse, ce qui est quand même très pratique. Ça résume le montage à rien du tout. Et comme vous pouvez le voir, on reste toujours en logique inverse. Quand on lit p.value, on obtient 1 si le bouton n'est pas pressé et on obtient 0 si le bouton est pressé. Nous arrivons tout doucement vers la fin de ce webinaire et nous allons entamer un petit sujet intéressant. Tout à l'heure, j'ai attiré votre attention sur les broches Y9 et Y10 du bus I2C dans le schéma que je vais vite vous montrer ici, qu'il s'agit d'un bus de données. Et il s'agit typiquement d'un montage utilisant un produit mode LCD 1x9. C'est Limex qui fait ce type de produit. Il est excessivement bon marché et il y a plus de 15 ans, Olimex a mis au point un petit connecteur 10 broches, très facile à brancher, qui est un connecteur universel qui transporte différents bus. Donc, c'est-à-dire qu'en exploitant leur connecteur, on retrouve toujours le bus I2C au même endroit, puisqu'il s'agit d'un périphérique I2C. Alors, un périphérique I2C utilise le bus I2C, qui est un bus de communication de fil, avec un protocole et des adresses. Et ces deux fils permettent de transporter un signal de données et un signal d'horloge. Il va de soi que l'API machine de MicroPython pour le bus I2C ne permet que de transférer des octets et réceptionner des octets. Souvent, quand on débute avec différentes cartes microcontrôleurs, que cela soit Arduino ou avec MicroPython, dès qu'on a affaire à des périphériques plus évolués, on utilise une bibliothèque. Et dans le cas présent, nous allons utiliser une bibliothèque pour accéder à ce périphérique et pouvoir le commander. Il est intéressant de noter qu'il n'a besoin que d'une alimentation 3 volts et la masse. Et le signal SDA de la carte MicroPython est connecté sur le signal SDA de l'afficheur. Et pareil pour le signal SLC qui est le signal d'horloge. Et ainsi, le bus I2C numéro 2 de la carte MicroPython est connecté sur le périphérique. Alors, pour pouvoir utiliser la bibliothèque, je vais vous dire qu'il suffit d'aller sur GitHub, sélectionner la bibliothèque, la copier dans le système de fichiers de votre carte MicroPython
et puis de passer directement à la suite, c'est-à-dire dans une session RPL. Et donc, dans la session RPL, nous pouvons voir que de l'API machine, nous importons cette fois-ci le bus I2C, que nous allons créer un bus I2C numéro 2 tel qu'il était indiqué sur le graphique, donc concernant les broches Y9, Y10. Ensuite, nous importons le fameux fichier, du fameux fichier que nous avons copié, la bibliothèque, la classe à exploiter. On peut créer notre afficheur LCD à partir de la classe et simplement appeler la méthode pour afficher le texte. Alors, cela met en avant une question que vous devez vous poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour utiliser une bibliothèque? Eh bien, avoir une bibliothèque, c'est déjà bien. Mais ce qui manque surtout sur le net, c'est des bibliothèques correctement documentées. Donc, ce qui est important quand on sélectionne un produit, ce n'est pas le fait qu'il y ait une bibliothèque, c'est le fait qu'il y ait une documentation. Donc, c'est-à-dire une étape plus loin que la bibliothèque. Et cette documentation, comme vous pouvez le voir ici en dessous, vous indique comment tester la bibliothèque, quelles sont les méthodes à utiliser, et qui vous fournit au moins toute l'information de base pour pouvoir exploiter facilement le composant avec votre plateforme. Et ça, à mon avis, c'est très important et c'est souvent négligé. Chez MCOB, quand nous rédigeons des bibliothèques, nous avons un répertoire libre dans lequel ils se trouvent et nous préparons toute une série d'exemples avec des fichiers README correctement documentés. Et cela permet d'exploiter très facilement du matériel. Pour ceux qui ne connaissent pas le bus I2C ou IC², il me semble que ça se dit, I²C, dès que vous aurez commencé à débuter vos expérimentations, que ce soit en Arduino ou en MicroPython avec de tels périphériques, vous vous rendrez vite compte que, comme REPL, ça devient des éléments indispensables. Alors vient la fin de ce webinaire. Nous allons nous intéresser un petit peu aux ressources parce que nous avons très vite passé différents éléments et vous serez certainement intéressé de pouvoir explorer un peu plus ce monde. Alors, pour pouvoir vous intéresser à MicroPython et sa carte de référence qui est MicroPython Pboard, vous pouvez toujours vous procurer l'ouvrage MicroPython et Pboard aux éditions ENI, dont je suis l'auteur. C'est un livre qui se veut surtout didactique, donc vous retrouverez des informations et des schémas comme vous les avez eus ici, c'est-à-dire aussi didactique que possible, avec des raccordements aussi clairs que possible. Ce livre ne part pas du principe que vous êtes électronicien, mais que juste vous avez un peu de bon sens commun on veut dire en électricité, que si on met les deux fils ensemble, ça vous explose à la figure, et à partir de là, si vous avez ça, vous pourrez facilement avancer. Il ne s'attarde pas qu'à l'utilisation de la carte. Ce livre a deux énormes chapitres sur l'utilisation électronique de la carte. Donc vous allez même pouvoir avoir une formation de base à l'électronique avec et pouvoir commander le matériel électronique, différents capteurs, pression, température, humidité, avec une carte MicroPython et toute une série de bibliothèques. Le site officiel de MicroPython, qui est micropython.org, bien qu'en anglais, est une source d'information phénoménale. Donc la communauté devient quand même très très active. MicroPython est sorti de son et est sorti de on va dire de l'âge du jouet il y a bientôt 5 ans et ça devient vraiment un produit professionnel employé dans de nombreux projets. Et nous avons aussi le wiki de MCOB que nous maintenons. Il y a une section complète consacrée à MicroPython, avec toute une série de tutoriels, et l'intérêt de ce wiki, c'est qu'il est en français. Et si vous voulez découvrir du matériel autour de MicroPython, nous maintenons deux GitHub avec du code source et des pilotes. Donc, bien que le nom soit ESP8266 UPI, ce dépôt contient des pilotes multiplateformes. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui peut fonctionner sur un ESP8266 qui n'a presque aucune ressource fonctionnera sur toutes les autres plateformes MicroPython, y compris la Pboard. Donc, c'est, on dirait-on, notre plateforme de référence pour le développement, parce que nous sommes obligés d'employer l'API machine avec le ESP8266, ce qui impose en fait un style de codage très sobre.
mais surtout une portabilité maximum. Et alors, nous avons également un deuxième dépôt qui s'appelle MicroPython Pboard Driver, et ce dernier contient plutôt du code spécifique à MicroPython Pboard, donc des pilotes qui ont des exigences matérielles précises ou des exigences en ressources beaucoup plus élevées qu'une simple carte microcontrôleur comme le SP8266. Dans tous les cas, ces deux-là contiennent beaucoup d'informations pertinentes en français et en anglais, pilotes documentés. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. J'espère que vous l'aurez trouvé intéressant et que cela vous donnera envie de creuser un petit peu les différents aspects qu'offre la programmation Python sur microcontrôleur. Sachez que l'auteur reste toujours disponible pour répondre à différentes questions. Donc, à tout bientôt, je l'espère.